le dira tout à l'heure. Voilà. Donc je vais. Alors les deux qui à qui il manque des éléments là. Allez, qu'est-ce que tu fais quand t'as donné ces affaires? Ah, mais c'est une vidéo. Je croyais que tu prenais des photos. Ah bah oui. Ah ben le chien il joue lui aussi. Hein. Bon, c'est qui? Avec des bleus ou des roses. Et les mots qui... Où tu vas, Miss Tinguette? Ah bon? Ah bon? Mais va te laver les mains si ton papa te l'a dit. Les mots qui sont revenus donc le plus souvent, ce sont les mots rouges, les plus grosses qui sont venues le plus souvent, et les plus petits, le moins souvent, deux fois. Et les mots qui sont en vert, sont les mots qui ont été sélectionnés une fois. Alors, dans l'ordre du plus au moins, fête, ensemble, heureux, miséricorde, musique, bonheur, festin, allégresse. Voilà, alors ça c'était une manière d'entrer un peu dans le texte biblique. Et maintenant, vous allez faire une visite guidée de ce texte biblique en groupe. Donc il y a le groupe des, je dirais jusqu'à 11-12 ans qui viendra avec moi, peut-être Étiennette, mais c'est pas une obligation, c'est comme tu veux Étiennette. On recommence.
Allez, on y va, on y va. C'est pas si facile. Hein. T'as pas la clé? La clé de quoi? La clé. Non, tu as pas demandé à la mairie la clé? Non. Bon, alors il y aura un petit problème, c'est pour Christian. Il faudra peut-être, si le fauteuil roule pas, il y a 100 mètres. Ah, ouais, je savais pas qu'il y avait une. Il faudra peut-être le porter. Non, mais on va pas le pousser. On va voir. Tu viens nous aider à le mettre dans le fauteuil? Un adulte pour faire des nœuds, il est maintenant là. Le résultat n'a pas de carnet de chant, car on a un carnet de chant.